Mais Premier Planète J'aime Lire présente Iboulala et le voleur de nuages. Une histoire écrite par Alain-Serge Dzotap, illustrée par Sarah Lolendo et racontée par Herman Bonny. Dans le village de Iboulala, la pluie ne tombe pas depuis des mois. Alors la rivière s'est asséchée, les arbres sont rikiki, les hommes, les femmes et les enfants sont tout raplapla. C'est à cause de Unju Kalaba tout ça, déclarent les hommes. Ce monstre méchant mange tous les nuages de pluie, disent les femmes. C'est terrible, disent les enfants. Nous allons mourir de soif. Mais voilà, tout le monde a bien trop peur de Unju Kalaba pour lever le petit doigt. Sauf Iboulala, il promet. C'est décidé, j'irai affronter Unju Kalaba et je rapporterai un nuage de pluie. Il prend sa lance et il s'en va. Bientôt, sur le chemin, Iboulala rencontre Hippo. As-tu vu Unju Kalaba? Je l'ai vu passer par là avec ses oreilles pointues, répond Hippo. Je vais l'affronter, dit Iboulala. Attends, je t'accompagne, s'écrie Hippo. Plus loin, les deux amis rencontrent Ouistiti. As-tu vu Unju Kalaba? Je l'ai vu passer par là, avec ses grandes dents, répond Ouistiti. Nous allons l'affronter, disent Iboulala et Hippo. Attendez, je vous accompagne, s'écrie Ouistiti. Arrivés dans une clairière, les trois amis avancent doucement et ils aperçoivent des oreilles pointues qui dépassent des buissons. C'est Unju Kalaba. Il s'apprête à dévorer un gros nuage de pluie avec du poivre et du sel. Vite, assommons-le, propose Iboulala. Alors, Ouistiti lance un caillou qui atterrit sur la tête de Unju Kalaba. Puis, Iboulala lui pique le derrière avec sa lance. Le monstre méchant lâche son repas et se sauve ventre à terre. Iboulala attrape le nuage de pluie. Mais celui-ci est tout renfermé, tout apeuré, tant il a eu peur d'être dévoré. Hélas, un nuage tout renfermé, tout apeuré ne peut pas pleuvoir. Les trois amis lui font des chatouillis et même des chatouillas pour le rassurer. Rien ne se passe. Iboulala a une idée, il dit. Et si on faisait notre danse de la pluie? Alors il saute en avant, il bondit en arrière, mais le nuage ne pleut toujours pas. Hippo, lui, ne connaît pas cette danse. Alors, il remue son derrière. Quand le nuage tout renfermé, tout apeuré, voit Hippo remuer son popotin, il éclate de rire et... Oh! Il libère la pluie. Depuis ce jour-là, on n'a jamais revu Unju Kalaba. Et quand Hippo bouge son popotin, il pleut sur le village de Iboulala. Voilà! La petite leçon. Il faut du courage pour avancer. Le courage est ton super pouvoir pour faire des choses géniales comme faire dodo seul dans ta chambre le soir. Ou quand tu as peur d'aller chez le dentiste, mais que tu acceptes quand même d'y aller.